Juste avant que la vidéo commence, Sito, si tu veux me soutenir, le petit rituel habituel dans la boutique, c'est gratuit, ça soutient, ça fait plaisir. Tu vas dans boutique d'objets, soutenir un créateur, tu mets tes casse Dieu, tu fais fouiller, et après, bah, tu profites de la vidéo, tout simplement. Je vous fais plein de bisous, les gars. C'est parti pour une petite game d'une réal solo. On a actuellement mon meilleur placement, les gars, top 17 ou 18 000e, je suis en une réal, je crois. Bon. C'est pas le moment de faire de lobby, hein. J'ai vraiment envie d'atteindre ce top 10 000. Mais le truc, c'est qu'il y a, regardez, j'ai 0 de gold. On a 200 de gold. Ça veut dire que ça pourra pas me sauver. Et ceux qui regardent mes vidéos quotidiennement sur cette chaîne, ah, il y a un lama là. Vous savez à quel point les gold, ça m'a déjà sauvé des games. Hein. Et des sacrés games quand même. Hein. Ok, on va aller sur le lama, je pense. En fait, c'est vraiment le spawn, les gars. Parce que le spawn, tu fais un spawn, tu perds 2 000 places. Je sais pas si vous en rendez compte, de la dinguerie. C'est-à-dire que t'es top 20 000, ça veut dire là, je suis top 18 000, je perds, je fais un spawn. Je vais descendre top 18 000. J'ai pas vu s'il y a un mec. Il y a un mec. Au moins, on a des maths pour se casser. Après, je connais rien ici. Tixi, tu fais des spawns comme ça maintenant? Ouais, les gars, apparemment. Attends, il y avait pas de. Il y avait pas de shield dans le lama, mais c'est effrayant. Zéro shield dans un lama, mais il sert à quoi ton lama s'il y a pas de shield? Il sert à décorer ou quoi? C'est intéressant ce lama, c'est un fou. On va aller l'attraper. Je vais aller attraper sa famille là. Ok, je pense qu'on a les petites maisons pour nous. Les gars, est-ce que ça vous plaît les petits spawns comme ça ou pas? Moi je pense que ça vous plaît énormément. Vous pouvez pas mentir. Je sais que vous aimez trop ces spawns. Ouais, par contre, si tu me stuff comme ça, frérot, c'est sûr qu'on va pas rusher vite. Hein. C'est une dinguerie. On a ouvert 3 coffres, regardez mon stuff, on a qu'une PM. Bon, je pense que le jeu n'est pas avec moi aujourd'hui. C'est super. Moi je m'en fous, tant je gagne mes points. Je suis heureux. Ok, ouais. Bah, peut-être qu'un pompe c'est trop demandé aussi, hein, je sais pas. Je sais pas quoi dire, j'ai ouvert, je pense, 7 coffres, 8 coffres. On a eu quoi? Une PM. Une PM en 7, 8 coffres. Pas un pont, pas une bonne AR. Ok. Bah, je sais pas quoi faire du coup, les gars. Est-ce qu'on peut? Je vous push pas, mais bon, on push avec une PM en une réal. Surtout que j'ai pas envie de perdre de place, c'est pas. Ce serait vraiment pas malin de ma part. Bon, ça a été loot, les gars, mais le mec il a bien dû laisser un pont, non? Voilà, tu vois. Voilà. On vide le distributeur, les gars, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va push parce que j'en peux plus. La game, elle a commencé. Ouh, il faut avoir la patience pour jouer à ce jeu. La game, elle a commencé il y a exactement 4 minutes. On n'a pas vu un mec. Et ça, ça c'est cool. Ok, est-ce que le médaillon a été pris? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils sont en train de tuer? Attends, pourquoi le médaillon n'est toujours pas mort alors qu'il se tue hyper facilement, normalement? Il y a personne qui lui a tiré dessus, là. Allez, donnez-moi ça. Hop là, merci les gars. Puis pour Michik, mais est-ce que je peux voir un mec s'il vous plaît? Je suis désespéré là de fou. Enfin, merci. Dites-vous les gars, que si je veux te monter top, je sais pas, top 1000, je dois jouer toutes les games comme ça, mais c'est impossible. Non, c'est impensable pour moi, c'est impossible. Je crois que je deviens fou si je joue toutes les games comme ça. Je suis une cible, oui, viens mon frérot. Avec plaisir, je suis une cible. Viens. Ok. Allez mon frérot. Un peu là. On va se remettre bien. Je crois qu'il y a un petit distrib ici. On se remet full et voilà, on repart. Ah, c'était lui en plus qui avait pris le contrat. Ah bah il était bien rapide ton contrat mon frérot. Mais là quoi cette game? Mais j'en ai marre. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette game? J'ai fait quoi pour mériter de tomber dans une game comme ça? Allô ma Lamborghini. C'est une dinguerie. Non, la game de fou. Parce que regardez, j'ouvre ma carte, je vois 6 000 trucs, je savais pas c'est quoi. Pourquoi c'est marqué comme ça là? Ok, on va aller jouer le petit médaillon les gars. C'est Tibar, c'est parti, hein, comme diraient les genoux. Et j'ai dit ça en mode j'ai 30 ans. Ah, mais il y a la zone. Attends, il est dans la zone ou pas? Ouais, il est dans la zone. On va l'attendre, hein, je pense. On n'a pas de kit. J'ai pas envie de jouer la zone. C'est un mauvais bail, je pense. Ah, mais ça se fight pas mal. Hein. Mais j'ai vraiment pas envie. Attends, elle avance ou elle s'arrête là, la zone? Elle avance. Ok, j'ai pas envie, mais. J'ai pas envie et j'ai envie en même temps.
fait j'ai envie dans le sens où ça va, ça y est j'en ai marre. Elle veut plus s'arrêter. Ok. Pip 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 pip. Il cherche à s'éloigner de moi, vous avez vu les gars? En fait c'est ça, le problème quand t'as un médaillon, les gens ils savent de où tu les rushes, ils savent par où tu vas venir, par où tu vas les attendre. Et du coup des fois c'est un peu handicapant. Ah oui, mais il est en voiture supersonique lui le frérot. On va jamais le rattraper. Oui, il est dans le train peut-être. Ah mais il est dans le souterrain, mais non, mais les gars. J'ai envie de quitter la game. Je peux pas rentrer dans un souterrain, je le connais pas ce souterrain. Après j'ai un avantage parce que j'ai un pompe. Je savais même pas qu'il y avait une faille. Je savais même pas que ça existait encore sur le jeu. Bon, est-ce qu'on se pose quelque part et on se bat? Ça te dit pas? Ok, il y a un mec là-bas. Moi j'ai envie de le fight lui parce qu'il a le médaillon et une PM mythique qui pourrait beaucoup m'aider. Parce que si j'ai PM mythique plus compoto, c'est fini. Je parle beaucoup cette game. Hein. Évidemment. C'est moi qui va me prendre les balles. Dommage pour toi. Allez, là j'ai besoin d'enchaîner. Il est où? Dans la voiture, non? Le meuf, frérot. Il est dessus. Oh là là, qu'est-ce qu'il est relou. Ça va, là j'enchaîne, là j'aime bien, là je suis happy, vous voyez? Vous le voyez sur mon sourire que je suis happy là? On a enchaîné trois petits kills. Ils sont où les médaillons? Vas-y, on va partir à la chasse aux médaillons. Oh lui, je crois qu'il a deux médaillons plus le pompe mythique et il doit avoir la scar mythique. Il doit être trop bien comme moi. Après vas-y moi je vais garder la scar mais le pompe auto je pense mythique. Comme ça au moins ça vous fait un peu de changement dans mon gameplay. Ok, il y a un mec. Qu'est-ce que tu fais mon frérot? Tu vas monter tout seul hein. Moi je te le dis hein. En plus ils regardent même pas quand ils montent. C'est ça le pire, regardez. Tout le temps je les ai à la décale. C'est parce que vous faites que monter les gars. Faut pas toujours monter dans la vie hein. Vraiment les gars, si vous faites que monter dès que vous voyez un mec, faites attention au décal. La plupart des joueurs ils se font avoir comme ça. Et ça fait trop mal les décals. Ok, il y a des mecs là-bas. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont fait 15 000 fights. Après lui, pompe mythique, hein. On doit être vigilant. Pompe mythique plus deux médaillons. Ça risque de ne pas être un fight facile. Il est où? Il est en bas, non? Et il est là? Bon les gars, je préfère, honnêtement je préfère l'autre pompe, mais on va jouer ce pompe, comme ça au moins, comme je vous ai dit, on vous donne du changement. Je pense que c'est cool. En vrai il est trop fort ce pompe quand même. Hein. Pourquoi les caches ils s'ouvrent tout seul là? En vrai je vous jure il est trop sous-côté ce pompe. Hein. Non en vrai tout le monde de joue. J'abuse de fond en disant ça. Il y a encore un médaillon ou pas? Ah non, grand glacier. C'est la première fois que je vois en général un médaillon qui a pas été pris. Bon bah c'est moi qui a tous les médaillons, il y a un mec à 700 mètres dans mon cache. Ah, je galère de fou là. J'ai galéré de fou mais je me suis bien rattrapé. Ça je prends pas beaucoup de dégâts dans mes fights, j'ai l'impression les gars, non? Elle est où ma voiture évidemment? Je l'ai perdue comme d'habitude. Il reste 8 mecs. Ok, il y a un mec là-bas. C'est trop rapide, c'est une dinguerie. Allez, là, il me faut tous les kills. Hein. Ah, c'est dommage, avec un gros spawn là, j'aurais pu avoir une idée dessus. Parce qu'on a quand même 9 kills, on peut faire encore 7 kills, ça fait 16 kills. 16 kills là. Avec un spawn, les gars, j'avais 0 kills, il restait 40, 30 mecs, je crois, 40 mecs.
Elle est là, ma petite voiture. Ok, il y a un mec dans l'air. Il va prendre la faille, les gars, non? J'ai envie d'aller le push, mais je suis sûr qu'il va prendre la faille. Ok. Allez, 5 mecs, on peut avoir 15 kills, il me faut tous les kills là par contre. Je sais qu'il y a un mec qui a été en faille là-bas. Et là au moins je monte top 13 000 je pense. Ah peut-être pas. C'est ambitieux quand même top 13 000. Regardez, il fait quoi? Il se cache derrière la roche. Heureusement que j'ai l'œil du lens là. Mais les gars, mais comment ils sont champions? Bon après, ça fait quand même quoi 2 mois que la saison a commencé en vrai. Je critique pas, hein, mais c'est juste, je sais pas, il tire pas en fait. Il tire pas, il bouge pas, il se cache. Chute fatale. Ah ouais. Je crois que je tombe dans une game assez spéciale. Hein. Mais de toute façon, on l'a vu dès le début que c'était une game bizarre. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a des mecs. Je sens qu'il y a des mecs dans ces box là. Ah ouais, je suis trop fort. Gars, je crois que je suis jamais tombé sur une game aussi bizarre. Je sais que je le dis beaucoup de fois là, mais. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Le mec il a bug? Ou il s'est dit, vas-y, je le vois faire des kills depuis tout à l'heure, il a l'air chaud, je le joue pas, genre. Ok, il y a un mec. Il a un bot avec lui en plus. Game, c'est quoi ça? Bon, après lui, je pense qu'il s'est dit, vas-y, c'est mort, j'abandonne. C'est sûr, même. Je crois que je vais lui donner mes médaillons le dernier, les gars. Puis déjà, il doit se cacher. Et ça, c'est quand même chaud en UL. Hein. Bon, je vais te donner mes médaillons, tu les prends pas, frérot, après, c'est ton problème. Vas-y, prends les médaillons! Mais prends les médaillons! Et... Qu'est-ce qui se passe dans cette game, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a failli me tuer quand même! Ah, il a attrapé un médaillon quand même, non? Ok. Allez, on monte top combien? Je suis curieux de savoir. Allez, allez, top 13 000 stop, les Fornits. Allez, Fornits. Ok, plutôt bon, je suis content. Encore une game comme ça, sans lobby. Et je pense que c'est top 10 000, les gars. Une game, c'est top 10 000, c'est sûr. Faut juste pas faire de lobby, ok. J'aime bien, j'aime beaucoup.